soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 3, les versets 22 à 30. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Ce Jésus est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, amen, je vous le dis. Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable de péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu en chantant.